Salut les mecs, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Alors directement vous demandez où est-ce qu'on est, on n'est pas dans le bureau hein. Ah les mecs, qui dit Covid dit Netflix, Netflix and chill and chocolate for what? Elle se marre. Ah j'ai une dégaine, elle est aberrante frérot. Les fans de J'aime quand sueur. Hop là t'as capté, toutes les lumières sont éteintes. Et là t'appuies sur le bouton et là bam, galaxie frérot. Là t'es dans un monde de galaxies. T'es là frérot, t'es posé, tu fais dodo dans la galaxie. Regarde ce que je vois quand je dors. Et encore, des fois tu peux encore enlever la lumière et vraiment avoir que la galaxie. Les gens ils vont se demander, on est sur une chaîne moto, le ref il est à l'ouest. On aurait déjà un mec de Terre Alité, casquette à l'envers. Aujourd'hui les mecs on se retrouve pour une petite vidéo, je devais pas vous prendre là comme ça mais... Vas-y frérot, je suis confiné dans ma chambre, du coup je vous prends quand même. La casquette, c'est pas que j'ai pas envie de vous montrer ma magnifique coupe, hein, mais les frères, là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Bref, les mecs, je vous ai tourné une petite vidéo, mais malheureusement, comme d'hab, 2022, fallait bien que ça commence avec une galère. Problème de micro sur la demi-vidéo. En fait, si vous voulez, j'ai deux rushs. Il y a un rush, c'est bien passé, il y a un rush, c'est pas bien passé. Donc, le premier, je disais des dingueries, c'était trop bien. J'ai kiffé la tournée. Vous avez vu comment je suis essoufflé? Comment je vais faire pour Pokémon? Du coup voilà, la première vidéo bah je l'ai coupée malgré les dingueries, je vous ai laissé 2-3 petits trucs qui me paraissaient audibles, que tu pouvais entendre mais sinon le reste c'est mort. Et la deuxième partie de la vidéo, bah elle est cool et on entend bien et tout va bien, du coup nickel. Je vous mettrai un petit temps mais c'est direct à 5 minutes si vous voulez aller voir et si vous voulez vraiment tout kiffer avec frérot ton coca et tes chips, bah tu regagnes toute la vidéo. Sur ce c'était Léo, mets des pouces bleus, force dans les commentaires. Et puis on se capte bientôt. Et puis voilà. Et du coup pour ceux qui ont gagné les autocollants, j'envoie bientôt parce que les frères j'ai eu des problèmes. Je vous ai pas retrouvé sur Instagram mais normalement j'ai tout le monde. On dirait un mec qui fait de la télé-réalité avec ça là frère. Je suis dans les anges ou quoi là? Et les mecs, je vais faire bientôt le tirage pour les poignets, du coup voilà. Et qui dit 2022, dit nouveau concours qui arrive bientôt. Mais en fait, le truc, c'est que je peux pas lancer plein de concours parce que je vais avoir une galère à les tenir. Parce que frérot, dès que t'as le concours, faut trouver la personne et tout, c'est une galère. Bref, les mecs, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Mettez des pouces bleus, transition téléphone, on va apparaître sur ce que toi tu vois. Si vous voulez voir des vidéos particulières en 2022, tu me le mets dans les commentaires. Et puis voilà. 3000 likes, nouvelle vidéo ce week-end. Salut les potes. Allez. Putain, j'ai raté ma transition. Fuck. Transition bas. N'hésite pas à venir sur le Telegram de... Oh bordel, pétard, c'était quoi ça? Le Telegram de la chaîne, les mecs, il y a plein de monde qui parle. Attends, on cache parce qu'il y a des trucs que je peux pas vous montrer. Toutes les bécanes, ça cède, ça fait de la mécanique. Et moi, des fois, je vous balance des petites dingueries. Ceux qui sont dedans, ils savent de quoi je parle. Mais regardez comment ça s'entraide, les mecs. Et on est bientôt 1000 sur le Telegram. Du coup, voilà, il est en description, n'hésite pas à rejoindre. Tourne tranquille ou minette. Allez. Le pied dans l'ornière. N'hésitez pas les mecs, petit pouce bleu, premier like. Nouvelle vidéo. Ah, vous avez vu les vacances de Noël dans Jean Bonnet hein. Dans Jean Bonnet, on a entré les vacances, j'ai plus de vin. Là l'école ça a repris. Je vais pas te mentir, ça va être un
paquet là. Big bam boom, allez c'est parti, on va au test. Oh putain, ça merde le monde. Ouais, je vous tiens au jeu. On m'a pénétré le nez. Allez, allez, allez. Je vous explique la dinguerie. Ah bah, je sens qu'on m'a passé dedans quand même. Ouais, il y a Spider-Man les refs, ouais, let's go. Bon les mecs, je sens qu'on m'a passé dedans. Eh, c'est un truc de ouf. Et moi j'en ai fait des tests Covid, hein. Ça doit être mon cinquième. Donc ça va, tu vois, je sens rien, tu vois, que dalle. Il y en a, ils sont sortis en pleurant devant moi. Je dis, oui, ça y est, il va faire les deux narines, mon trou de balle et tout. Non, ça va, j'ai rien sorti. Mais le bail, c'est qu'il m'appelle genre dans 15 minutes si je suis positif. Mais imagine, je suis sur la bécane. Jamais je vais répondre. Bah, ça veut dire s'il m'appelle pas, je suis négatif. Bah, en vrai, je pense que je suis négatif. C'est juste que, genre, tu vois, je suis pas bien, mais je pense pas que ça soit le Covid. C'est voilà, sinon tranquille, t'as capté, hein. Mais en vrai, le Covid, tu l'attrapes en allant faire un test. Que les gens devant moi, ils étaient blancs cul, frère. Et ils avaient tous clamsé. Du coup, j'ai hâte de savoir comment ça se passe. J'espère que j'ai le Covid. Frérot, y a que WAM pour dire ça. J'espère que j'ai le Covid. En vrai, si j'ai le Covid, c'est bénef. Au moins, je fais ma troisième dose dans super longtemps. Et plein de trucs. Nickel. Au moins, je suis une semaine en vacances. C'est carré. Ceux qui n'ont pas vacciné, les mecs, vous avez fait combien de tests dans votre vie là? Y en a, ils doivent être au moins à 40 tests. En plus, y en a, ils payent les tests. Ouais, 25 balles le test, frérot. Y en a, je suis sûr, ils ont mis plus de 1000 euros dans des tests. Eh, à la longue, ça fait cher le coton-tige, hein. Mais vous aurez vu tous les tests qu'il y avait sur la table. Putain, le truc de malade. Franchement, il devait avoir genre 40 tests devant moi. Et en fait, à mon avis, ceux qui ressortent positifs, ils les appellent. Sinon, ils les appellent pas. Et du coup, laisse tomber là. Si mon téléphone, il sonne, je serais trop content. Vous faites des réactions, vous, quand vous faites des tests au Covid ou pas, les mecs? Vous tranquille ou pilou et vous avez pas mal? Moi, vrai, pas mal. Aucune douleur. Alors, celui-là, tu le sens quand même passer. Parce qu'en vrai, c'est un bâtard. Il dit, allez, on rentre. On va tourner, on compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et au final, si tu comptes vraiment, ça fait 7, 8. Il ressort. Sûr que les mecs, il y en a déjà, ils ont mis des patates à ceux qui faisaient les tests. Moi, je sais que la première fois, ma main, elle s'est levée toute seule. Mais c'était premier test, à l'ancienne, t'as capté? Le Covid, ça existait même pas encore. Moi, j'abuse là un peu, non? On dirait une paire de boules, frérot. Du coup, je suis sûr, il y a des soignants, ils se sont pris des tarnioles. Bon, là, on va se rentrer, les mecs, on va aller au show. Et on attend de recevoir le petit coup de fil. Et si on reçoit le coup de fil, bah, ça va vloguer pendant une semaine. Vlog sale du confiné, frérot. Mais vas-y, t'as vu comment je te parle? C'est sûr, je suis pas positif. Et je rigole là. Quand je fais le montage de la vidéo, en fait, j'ai reçu l'appel et je suis positif. En vrai, si vous voulez le résultat, je le mettrai sur Instagram ou dans la vidéo si j'ai le temps. Parce que je dois monter cette vidéo direct pour dans 3 heures. Eh, dinguerie. En même temps, j'ai même pas pris des jours de congé, frérot, tu vois, mais après les fêtes, il faisait froid, sa mère, il pleuvait, du coup, je pouvais rien vous tourner. Il faut aussi des idées, des fois, tu vois. Et là, je me suis dit, vas-y, je dois sortir la bécane, je vais la sortir avec les loulous, tu vois. Ok, on rattrape la C4. Ou c'est une C5, ça, je sais plus. Non, on lui rentre dedans. Pile dedans carrément. Allez. Putain, il me regarde dans le rétro. Je le vois que sa petite tête t'excite pas comme ça. Il veut faire un run. Il veut runner. Et moi, j'ai trop envie de savoir combien vous avez fait de tests pour ceux qui sont pas vaccinés. Ah, la dinguerie. Oh, un petit range fou, frérot. Il y a 15 bagnoles qui revend pour s'acheter un range. Sympa, sympa. Allez, tu sors, t'abandonnes la course déjà. Minable. Tombe à rapport. Ah, t'arrives dans la courbe. Le regard, les mecs, le regard. Très important, le regard. Tu regardes où tu veux aller. On ralentit parce que ici, frérot, c'est 20 km/h. C'est sûr que je suis négatif. Vous avez vu comment je suis? Un mec qui a le Covid, il est pas comme ça. Après, je sais que tu peux être asymptomatique, mais t'es quand même malade un peu, je pense. Ouais, y en a un, il a tapé ça, frérot, on dirait une grosse merde. Bon, allez, les mecs, c'était une petite vidéo très courte, mais en même temps, j'ai pas beaucoup de temps pour la monter. Et je me dis, vas-y, première vidéo de 2022, on commence bien avec un Covid. Bon, allez, sur ce, les mecs, à la prochaine, hasta luego pronto, frérot. Ah, elle a le thème, elle a le thème. I'm about to write a hit, man, about to write a hit.